Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech et surtout un joyeux Noël et passez de belles fêtes de Noël. Aujourd'hui, on va parler d'un haut-parleur très spécial en Bluetooth 5.0. Cet haut-parleur est en plus waterproof, un haut-parleur qui va pouvoir vous suivre partout à la douche comme à l'extérieur en temps de pluie. Il est compatible iOS et il est compatible Android. Et avec cet haut-parleur, vous allez pouvoir accéder à vos assistants vocaux préférés, c'est-à-dire à Siri et à Google Assistant. Ça va être le top. Et cet haut-parleur, c'est le ProSmart Element T2. Alors cet haut-parleur, vous allez pouvoir le trouver chez Amazon. Je vous mettrai donc tous les liens. Vous le trouvez pour moins de 30 euros. Franchement, ça vaut le coup parce que vous allez voir, cet haut-parleur envoie du lourd. Et ici, on va en faire ensemble l'unboxing, voir déjà ce qui se passe dans cette boîte. Et vous allez voir qu'une petite surprise aussi avec cet haut-parleur, il a une particularité pas négligeable du tout. Tout de suite, on va voir cet haut-parleur de la marque ProSmart, Element T2+. Cet haut-parleur a des basses ultimes. C'est parti donc pour cette vidéo, merci de la suivre, merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech et en avant pour l'unboxing. Donc on est sur une boîte rectangulaire, donc on sera sur une enceinte connectée. Le package est vraiment très sympathique. Une très belle boîte avec en façade le haut-parleur, avec ProSmart écrit en haut et Element T2+, puisque cet haut-parleur est la seconde génération d'haut-parleur de chez ProSmart. On a derrière bien sûr l'intégralité des specs de cette enceinte, mais on verra par la suite comment on le connecte, comment on le met en place par rapport à nos assistants vocaux. On va tout de suite ouvrir celui-ci. Et donc tout de suite, on arrive sur notre haut-parleur que l'on va déballer tout de suite. Alors ici, il est mis dans un petit sachet. Et voilà donc notre haut-parleur sorti de sa boîte avec le dessus. Je vous mets de très près les différents boutons que l'on peut rencontrer sur cet haut-parleur. Le devant, on a donc marqué ProSmart sur le devant de cet haut-parleur. Et à l'arrière, surprise, puisque cet haut-parleur est double face. Et vous aurez aussi bien du son par devant que du son par derrière. Et vous allez voir que, en parlant de son, cet haut-parleur envoie du lourd. Et quand je vous dis qu'il envoie du lourd, c'est pas pour plaisanter. Donc ici, on a l'arrière de notre haut-parleur avec une petite trappe qui le rend étanche. Sur le côté, on trouve un petit anneau qui va donc nous permettre de l'attacher et de le mettre en suspension, par exemple, dans la douche. Donc, comme je vous disais, à l'arrière, on a une petite trappe entièrement étanche, puisque, comme je vous ai dit, cet haut-parleur est waterproof. Cet haut-parleur est compatible IPX67, donc entièrement compatible aux éclaboussures. Vous pourrez même le prendre sous la douche sans problème. Il ne risquera pas en aucun cas de prendre l'eau. À l'arrière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc la petite surprise, comme je vous disais, un lecteur de carte micro SD. Dans cet haut-parleur, vous pouvez lui insérer donc une micro SD en mémoire. Comme cela, vous pouvez écouter votre musique n'importe où
à n'importe quel moment sans avoir besoin de smartphone. Cet haut-parleur, comme je vous ai dit, il est compatible iOS et Android. On peut donc le connecter à une autre source via son câble jack vers jack, c'est-à-dire vous pouvez par exemple le connecter à une enceinte de Google ou à votre Alexa pour qu'il envoie du lourd avec la combinaison avec son câble livré avec jack vers jack. Vous pourrez donc vraiment avoir un son ultra performant. On a donc la connectique qui là aussi on va pas s'en plaindre du tout. On est sur une connectique de type C vers USB. Ça c'est vraiment le top. Donc cette petite trappe se ferme. Elle permet de rendre complètement imperméable notre haut-parleur. Vous allez vraiment pouvoir le prendre sous la douche et c'est vraiment le top. On va voir aussi tout ce qui est les boutons du dessus. On va continuer cet unboxing. On a donc sa petite notice qui vous explique en français, bien sûr, tout ce que font les boutons, comment on connecte, etc., etc. C'est très bien fait. Le petit livret est entièrement francisé. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description sans aucun problème. Ensuite, on a un petit carton de livret avec. Et dans ce petit carton, qu'est-ce que l'on trouve? On va trouver donc de quoi le recharger. En fait, avec cet haut-parleur, vous pouvez avoir jusqu'à 24 heures de musique sans jamais le recharger. Ça, c'est vraiment top puisque c'est quand même un très gros haut-parleur. Il envoie vraiment du lourd. Donc 24 heures de musique, ça fait plutôt pas mal. Je ne pense pas que vous allez écouter 24 heures de musique d'affilée. Quand vous allez devoir passer par le rechargement, comme je vous ai dit, on est donc sur un câble de type C. Et là, ce n'est pas négligeable, puisque ce câble, si vous avez différents appareils de type C, bien, il peut vous resservir pour recharger d'autres appareils. Et ça, c'est plutôt cool. Vers USB. Ensuite, on trouve, comme je vous ai dit, le câble jack vers jack, donc ce qui va vous permettre de brancher le premier jack sur votre haut-parleur et aller connecter le deuxième jack sur une autre enceinte, sur une chaîne hi-fi, ce qui vous permettra d'avoir encore un peu plus de volume dans l'écoute de votre musique. Et ensuite, on trouve donc la fameuse petite dragonne, notre petite dragonne ici que l'on peut en fait attacher à notre haut-parleur pour ensuite l'accrocher partout où on le désire. Cet haut-parleur pèse tout juste 420 grammes. On va le jumeler donc à l'iPhone et on pourra donc le jumeler à une tablette Android, un smartphone sous Android sans aucun problème. Voilà donc pour ce petit unboxing. Tout a été sorti de la boîte. On va passer donc à l'appairage. On va voir à quoi servent tous ces petits boutons sur le dessus de notre enceinte connectée. Allez, on passe à l'appairage, c'est parti. Boutons. Vous avez donc votre Dragon côté gauche. Au sujet des boutons, on part des premiers boutons sur la droite de l'appareil. On a donc le bouton marche arrêt et le bouton pour lancer les assistants vocaux des différents appareils, que ce soit Siri ou Google Assistant. Juste à côté, on a un M qui permet d'aller sur le menu ou de passer du Bluetooth ou de passer de la carte micro SD. Au centre, on a le bouton d'appairage pour changer d'appareil. Et sur les derniers boutons sur le côté gauche, volume haut, volume bas et un appui long sur ces boutons vous feront sauter de plage en plage. Les boutons sont très tactiles, on les ressent parfaitement bien et ils ont en plus des petits sigles qu'on arrive à toucher même quand on est déficient visuel. Un appui long nous permet donc d'allumer notre haut-parleur. Et ici, il est mis en mode appairage. On va l'appairer tout de suite. Vous allez dans les réglages de votre appareil. Vous allez dans Bluetooth, exactement dans l'iPhone, c'est réglages Bluetooth et Android connexion Bluetooth. Plus d'infos, bouton connexion aux autres appareils, en tête. Et vous avez donc Transmart. Transmart élément T2 plus. Boot. Transmart élément T2 plus. On le valide. Transmart élément T2 plus. Connexion. Autres appareils. Connexion aux autres appareils, en tête. Vous venez d'entendre que la connexion a été prise, notre lumière Bluetooth ne clignote plus et on peut maintenant lancer, si on le désire, Siri. La petite surprise avec cet haut-parleur aussi, c'est que vous allez vous en servir comme pour lancer des appels téléphoniques, pour écouter votre musique. C'est un haut-parleur multitâche. C'est un haut-parleur Bluetooth 5.0 avec connexion jusqu'à 10 mètres de distance. Vous allez pouvoir passer des appels téléphoniques, lancer votre assistant vocal
préférez que ça soit Siri, Google Assistant, écouter votre musique à partir de votre smartphone, lancer vos vidéos YouTube et les avancer ou les reculer comme vous le désirez, et lancer toutes vos musiques à partir de votre carte SD. Si j'appuie donc sur le bouton marche arrêt, ici, quelle heure est-il? Il est précisément 14h40. Météo demain à Paris. Attendez-vous à voir des nuages à Paris demain. La température maximale sera de 11 degrés et la température minimale sera de 3. Le petit bouton marche arrêt, un appui court, vous lancez votre assistant préféré. Juste à côté, la petite touche avec le M, vous changez de connexion Bluetooth à la carte micro SD. Au centre, c'est pour l'appairage, va servir aussi de bouton play pause. Et sur les côtés, avancez sur les plages et le volume. Ici, vous allez entendre, je vais balancer du son, vous allez entendre ce que ça donne en termes de son à partir de la carte micro SD. Qui va pouvoir aussi le bouton au centre qui va vous faire changer, qui va vous faire appairer votre enceinte connectée à vos smartphones ou tablettes. On peut arrêter et relancer notre musique sans problème ici. Et comme vous pouvez entendre, question basse, ça envoie du lourd. Donc connecter vos smartphones comme iOS, Android, ces petits pieds en caoutchouc dessus, ils auront une très bonne adhérence sur vos surfaces. Le TrueSmart, donc un haut-parleur que vous allez pouvoir trouver dans le lien que je vous mets dessous dans la description. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon, de très belles fêtes de Noël. Si vous regardez donc la vidéo juste après la nouvelle année, je vous souhaite aussi de passer une très bonne année 2020, une très bonne santé à vous tous. Je vous remercie toujours de me suivre, de commenter mes vidéos. C'est vraiment le top. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.